Si est une soirée dont il arrive Anderossian et ses proches se souviendront longtemps. Sur son compte Snapchat, l'influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité, qui attend son deuxième enfant pour très bientôt, a partagé une double mésaventure. Venue à Paris avec son mari Giovanni Bonami pour accoucher, celle qui habite à Dubaï a laissé son fils Milo, 1 an, à ses parents, le temps d'accueillir son nouveau-né sereinement. Mais dans la nuit du 22 au 23 novembre, il arrive à Anderossian a dû se rendre d'urgence à la maternité pour ce qui se révélera être une fausse alerte d'accouchement. Au même moment, à quelques kilomètres d'elle, son petit garçon entrait également à l'hôpital. Milo aux urgences. Fiévreux et malade. J'espère que tout va bien pour mon boy, a-t-elle confié à ses abonnés, en partageant une photo de son fils dans les couloirs de l'établissement. Milo était à l'hôpital pendant qu'on était à la maternité. Sa fièvre ne descendait pas, il toussait beaucoup et avait le nez qui coulait. Il ne réagissait pas, ça n'allait pas trop. Mes parents l'ont donc emmené aux urgences, a raconté la maman, qui s'est fait un sang d'encre pour son petit. Ils sont restés plusieurs heures et au final, il a un virus respiratoire, qui a pu être traité à temps. Ils ont tous les antibiotiques, tout ce qu'il faut pour bébé Milo, donc ça va, a rassuré celle qui partage son quotidien dans Maman est célèbre.